Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de Dieu, branchés connectés dans www.congodialogue.com, une site dirigée par la grande dame Francine Nguema de la Belgique. Nous sommes là, moi c'est Joseph Bolois, l'international, en direct de l'Afrique du Sud. Bon, tu es sur le gouvernement, maman Mandoule, maman Mandoule Bikara, maman Musique. Voilà, il y a un événement qui se prépare déjà dans quelques semaines, mois prochain, le 7 juillet 2019, que j'ai le plaisir de recevoir l'organisateur, n'est-ce pas? Bon, il est en même temps organisateur, il est en même temps aussi producteur, en même temps c'est musicien, à la personne de le pasteur, pourquoi je l'appelle pasteur? Docteur Benjamin Kalala, que je salue, shalom l'homme de Dieu. Shalom, shalom mon frère, comment tu vas? Non, Dieu nous soutient, ça va, et vous? Très bien, 100%. Je peux sentir ça à 100%. Docteur Jésus, un événement Docteur Jésus. Apparemment, vous êtes docteur, mais comment vous avez organisé une célébration appelée Docteur Jésus avant tout qu'on a mis une dame à Solon? Mais, mon toi, ça, l'opération est libosso sans cicatrice. Azoa Adam a PC anesthésie à l'alicier. Donc, Adam a mouki boya moni, sozi nae, donc Eva Bimuana. Donc, chirurgien de chirurgien, grand prêtre Jésus-Christ. Nous amis à vos banques à Kéforgo. Donc, c'est tout à tricher là. Ça, vous savez, tout copier, tout, mais qui m'a moqué. Mais, il y a la cicatrice, la séquelle, pas d'effet secondaire. Donc, les docteurs par excellence, ils ont Jésus. Papa Benjamin, dis-nous un peu. Bon, nous, là, on a un peu de musique, on a un peu de musique. On a motivé, on a motivé, on a la musique. Musique qui. Ça fait partie de l'ADN na yo. Moutoua mo motivé yo azate. Soit ça na kati na yo. Ata ou kimi yango nenin. Un jour, moura e boti yango mo. Pwè sa na kati kouna. ADN. Ah, ça na kati ADN. Donc, ata ou kimi yango nenin. Pou nga yon eskiva. Ngo pe mingi. Na pe sa ba raison. Mais, la fin de fin, ibi mikak. Ezaka li banzi. Donc, ata ou kimi li banzi nenin. Mais, ti ou mwela ra na li banzi. Mou de musique zan den wana. Donc, je chante depuis. Quand j'étais petit, na ba outi ba micro zo yemba yemba zo sauter net ba blague et puis ok na chorale beaucoup ne vont pas à la chorale mais qu'est-ce qui m'a poussé à la chorale pour ça les anakati à ADN y a mon équipe na chorale j'ai chanté à la chorale et puis là comme dirigeant à ba chorale président à ba chorale Lubumbashi à Kinshasa ti mes musiques y a un grand moko boy nazo komanzembo j'ai réuni les gens groupe tout ça. J'ai senti ça, j'ai dit non, c'est trop de responsabilité. Et puis, je me disais, non, je suis incapable d'écrire un chant. Je suis incapable d'écrire un chant. Alors, je me suis caché derrière la médecine. Non, je suis busy avec la lire, étudiant et tout. Et puis, la profession, puis, commis, tout ça. Mais, je chantais seul, je faisais tout ça. Mais toi, pourquoi tu ne chantes pas? Ah, je ne saurais pas. Mais quand le frère Alain Moloto est décédé, ça m'avait affecté tellement que comme un déclic. Mais tu peux aussi écrire, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier album. Et puis j'ai vu que les gens étaient bénis. C'est comme ça que, comme par enchantement, j'ai commencé à écrire des chants et des chants et des chants. Donc aujourd'hui, j'ai mon nouveau album, il a 30 chants. Okay. Et les 30 chants, je me dis, apparemment, les gens de mots qu'ils disent, c'est beaucoup. Beaucoup par rapport à quoi? Parce que je veux louer mon Dieu. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous la 30 après. Donc, alors, le col là, ce qui au sali, ce qu'on peut c'est 30 millions à discuter, mais ce qu'on peut c'est 30 chants, alors bien, ça est belé. Donc, ce qui, nous sommes au sali, l'album a été 30 chants, et ça bien, mais ce qu'il y a en zan, mais combien est belé. Alors, on a divisé en gros, on a été 15-15. Donc, dans ça, la 15-15, c'est comme ça que Dieu donne des chants, chaque jour, au moins 800 chants. Parce que dans la lifetime, je ne pense pas qu'il y ait 800 chants. Alors, c'est comme ça que Dieu a. Nous avons un guitare ici, non? Pierre, Peter, est-ce qu'on a un guitare ici? Est-ce que vous jouez sur le guitare? Vous jouez à la guitare? Ce qui est bizarre, c'est ça aussi. Moi, ma spécialité, c'est écrire les chants et chanter. Alors, j'essaie de gratter, mais je ne pense pas que je suis un bon guitariste. J'ai fait des efforts. Donc, en dehors mes heures de mes patients et tout, je m'assieds sur mon keyboard, je fais un peu quelque chose de keyboard. Hein? Mais moi, dans ma musique, ma portion, chanter, écrire les chants. Papa Kita, Papa Peter, ça c'est live. Hein? Avec Boloa, c'est preuve à l'appui. Merci beaucoup. Le guitare est là. Mais attends, moi, je vais te rater, docteur. Hein, Papa Benjamin, moi, je vais te. Moi, je vais tenir pour vous le téléphone parce que dans la ligne, je vais vous dire que 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 je vais vous dire que
na kimi pe lo yimba ngope micro ngope ndule ngo na kati ya medicine mais ezola nangaka te benaibite bazimbo za ebele oyo qui me bénit et qui bénit le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu connaissent. S'il y a un chant que moi je peux chanter dans mes minutes, ce chant s'intitule La Grâce. Vous savez, c'est un nouveau chant. Il y a des gens qui habitent dans les quartiers, mais il faut parfois faire un tour à la morgue. Tu fais un tour dans les hôpitaux ou en prison, tu vas voir que des gens sont à la morgue, toi tu marches encore. Tu vas comprendre c'est quoi la grâce au fait. Vous savez, Joseph était prisonnier, puis il est devenu premier ministre un jour. De la prison, premier ministre. Donc c'est une faveur qu'on obtient sans avoir mérité. On appelle ça la grâce. Alors je vais juste faire le refrain de ça pour dire que la grâce déborde dans ma vie, qu'elle coule comme une pluie torrentielle, dont les ruisseaux formeront un fleuve d'amour pour aimer mes ennemis et arroser les obstacles de ma vie, pour qu'ils deviennent les tremplins de ma foi, pour qu'ils deviennent les tremplins de ma foi. Oh, ouvre les écluses d'en haut à ma faveur. Que la grâce déborde dans ma vie, qu'elle coule comme une pluie torrentielle, dont les ruisseaux formeront un fleuve d'amour pour aimer mes ennemis et arroser les obstacles de ma vie. Pour qu'ils deviennent le tremplin de ma foi, de ma foi, de ma foi. Ah. Voilà, 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 mais vraiment un coup de chapeau à vous, coup de chapeau à vous. Et vous avez un coup de chapeau pour la guitare, hein? Oui, un guitariste. Donc, si on a un guitariste, on a un sol, on a un ré. Donc, j'ai mon tuteur qui va venir d'ici là, on va commencer. Donc, je me suis donné cette fois-ci, je me donne à 6 mois, vraiment, hein, pour ce qu'on a eu, guitariste, et tant que j'ai entré en médecine. Voilà, docteur Benjamin, merci beaucoup. Mais dis-moi, on a vu quand même l'inspiration, comme vous avez dit, Dieu t'inspire quand même à écrire. Qui est votre modèle dans le monde de musique en question? Quand tu chantais là, tu as parlé de Ale Moloto, mais en fait, tu n'as pas parlé de Papa Ale Moloto. Qui d'autre, quand tu dis, bon, ah, quand je le regarde, ah, il me motive souvent, on a yemba lokolaye, na koma lokolaye. Ah, avec l'expérience, je me suis rendu compte que le modèle, Azara Yesu Yemoko. Ah, papa Benjamin Tikaboué. Vous avez dit le mante. Yesu Azali, boye yesu ayembagi. Tikapo, comment on ayembagi te papa. Mon amour de boye apparence kaka wobi. Ah, na koma netie. Mais tu ne sais pas quels sont what is going through. Tu ne sais pas quelles sont les circonstances qu'il traverse, les difficultés, les peut-être lui-même n'aime pas sa vie. Toi tu vas avec ça ça bien. Parce que j'en connais beaucoup. Ah, ça bien mais on comme boye. Déception. Donc, papa, jamais voulait me dire que depuis au côté de mon carrière solo, aux un modèle mon côté au bandeau colana na loyembo. Pour battre Rosso Bimsawana, on aura papa il faut que d'ici elle battre Rosso Bimsawana. Bah Sylvain Akawa na zoka battre wana. C'est ce que j'ai dit, non? Avant que je ne commence à chanter activement pour le Seigneur, je vous dis ah tel. Mais quand j'ai commencé à chanter, sentir comment Satan attaque les enfants de Dieu, j'ai compris que le modèle. Alors, quel est ce tel là avant? J'ai compris que le modèle. C'est Jésus-Christ. Quel est ce tel là avant? Moni? Yeah, donc, ma boy nangaye que ma oh, c'est le modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que le modèle nangaye, mais l'autre, oh, ça la qui boy?
O akenda ki boy, o toyoka ki boy, o boy na boy. Alors on s'est dit ah. Toti kakaka. Oui, papa Benjamin qui m'a question nanga. Tana mamba concert to lobela. Qui m'a déjà concert et fona qui m'a modèle penza. Yesu ye mo konde modèle. Donc ni frère Pastel il faut du ciel, ni Sylvain Akawa, ni papa Ale Moloto. En tout cas modèle Yesu. Jésus, c'est le seul modèle. Voilà. Peter, vous avez convaincu la réponse? Bon, moi, je ne suis pas convaincu. Anyway, l'album, et c'est Bima déjà, et c'est ça, la manan, nous, pour la moni, le 7 juillet, awa, il faut aussi du launch. L'album, il y a Oyozoya, titre Nango Docteur Jésus. Il y a. Et. Dans le principe, il y a un souka déjà. Et aussi, là, comme on avait dit, il y a 30 chants, tout bundi, tout 15. Donc, il y a 15 ans, il y a Docteur Jésus, volume 2, 15 ans, parce que je ne savais pas qu'il y a un Zembo, ok. Alors, tout ça commence, et puis on va publier, ou à Lingi, à Zui, à Sombi, ou bien à Zui, à Yoki, ça va bénir d'une façon ou d'une autre. Ça va essayer, parce que je me suis dit, ah, un Zembo, ça m'a béni, ça fait bien, ça fait bien. Et ça sera, c'est le premier album de votre carrière, c'est ça? Non, ça sera le. Mon premier album, c'est Un moment d'adoration. Ça fait 5 ans que cet album est sorti. Il est sur le marché. Il est, si quelqu'un veut l'avoir, c'est facile. Si vous allez sur iTunes, il y en a là-bas. Le deuxième album, c'est Jesus My Hero. Ça fait. Il y a 2 ans qu'on a. C'était un live recording. C'est simple. Et celui-ci va être le troisième album. Ça sera le troisième album. Docteur Benjamin, tes collaborations avec d'autres musiciens chrétiens, comment ça se passe? Tu au capé banzé mbatu msusu? Non, banzé mbébélé. Et t'as nani oyoyébi? Y a mbatu msusu. Bon, est-ce qu'on change de forme? Non, banzé mbé mbatu nyonso partout on chante Jésus-Christ. Moïse Mwambanzambi, il y a Murphy Kadila, il y a Alain Moloto, il y a Kulmatope, il y a le frère pasteur Atom, il y a le pasteur Moulage, tous les moulages en tout cas. Musique na bango na kango bien et ça la quoi mbela psonze momo ya bango moko na bango album la bango na linga mingo na album et ça ibele met ozali nzambe nzambe yangu ya nyonso likolo na se bikela minayo nguya nayo embona nina miso na. Voilà, tu es le docteur Benjamin Kalala Maboko, il y a un peu de temps. Voilà. Il y a beaucoup de nanga. Ananana. Sanki nazanayo. Ototisaka. Donc, Malobaza est belé dans un donc, c'est un album. Wana. Et puis, donc, tu es ma richesse. Et puis, il y a un peu de. Donc, album de Bangwana, en tout cas, j'aime beaucoup les. Papa Benjamin, basé Belo Yoka. Ah, na Yoka Nanga, donc il y a pas, j'ai pas de discrimination. Oh, beauté. Donc Yoka Bat. Frère, il faut qu'on paye Yoka na yo. Frère, il faut qu'on ait frère à quoi na Yoka sœur Nanga, maman Molongi, Oza Molongi, Oza Molongi, Sarah. Mariette Fomba. Mariette Fomba, Sarah, oh Sarah, besoin. Sarah Welo, Shalom, place aux Ali. Donc Sarah. Si on a un la clé, Jésus est la clé. Donc, on a Patrick Nyembwe, un million de chanteurs. Donc, tout le monde. Papa Benjamin, la place de la musique, il y a un bon moment, parce que tout le blanc vient bientôt là. Ça, c'est le docteur Benjamin, musicien chrétien. Je vous prépare maintenant le 7 juillet 2019 à Cape Town, Artscape. Bisikani ni milule ko sale makuna associé en collaboration na ba yembi mususu bazou ta Congo msupe bazali awa yepsepsona no fait musique la passe de musique aujourd'hui na katia yo atanki nduleman dans l'ensemble musique chrétienne bien sûr tozawa to évoluer tozungi sima to ngeneni to vandika na place ngona ba musique ba le moloto wana ti le lona ningi mzo mimi
Question d'ailleurs, c'est que dépendre d'un objectif, ni ni muto aille na musique. Pour au moins na Congo tema, il y a ce que batwali baso benga. Dans le monde où était parce qu'ils a tous un monde il y a gospel, mais je suis contraint de dire que on est devenu trop fainéant et trop paresseux que si on échoue partout, on vient maintenant se cacher derrière la musique, croyant que Dieu va me mettre la main, je vais réussir. C'est pourquoi maintenant il y a trop de cafouillage. On a amené les ndombolo dans la musique. Tu vas voir, dans chaque musicien chrétien, entre guillemets, congolais, il y a toujours Dombolfo et Ya. On a amené le monde dans les affaires de Jésus-Christ. On n'est pas loin de la cambiste, oh Jésus, soit bêta, fimbo dans l'église. Donc, moi j'ai toujours dit aux gens, il faut faire comme Abraham. Abraham a amené Isaac chez Dieu. Si tu veux que Dieu reconnaisse ce que tu fais, amène ton argent dans son œuvre. Il ne faut pas utiliser l'œuvre de Dieu ou bien son nom pour se faire l'argent derrière le nom de Jésus-Christ. Voilà, Dieu ne te compte même pas. Mais amène ton argent, tes connaissances dans son œuvre. Et lui, en voyant comment ton cœur est sincère, donc amène ton argent, amène tout, ne réfléchis même pas. Parce qu'Abraham a amené Isaac, ne réfléchissait même pas. Il ne savait pas qu'il y a Roko, ma papa, il y a une multitude de l'élo. Au moins, mon tour, il y a moi 5000 rentes, ou bien il y a moi 1000 dollars, il y a un album, il y a un bénéfice, il y a un bénéfice. Et ça, c'est que il y a un côté. Mais si on le dit, oh, je n'ai rien. Mais bon, il y a un côté, il y a un côté, il y a un côté. Et lui, il saura comment il va te bénir, soit toi ou tes enfants, ou bien il va te donner Moussa là. Yo pesi awa, mes musiques on a petit pour tout, d'une façon ou d'une autre, mais il ouvre robinet côté Moussa à bénir. Vous pensez que le musicien chrétien aujourd'hui, entre guillemets, le musicien chrétien aujourd'hui, bah il ne colle pas bon. Faire, bah ça n'est pas homme d'affaires, pas businessman. C'est comme ça, je suis un autre brand name. Tu vois que ce que comme Noël, parce que Noël là, bah autre là, bah carte à Noël, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Il y a des cartes à peine naïe, à des cartes à Noël, donc toujours Jésus n'est pas marchandise mon gros bruit. C'est comme ça que tout le monde, la plupart, bah ça là, les gens. Tu vas dans le monde, dans le milieu, tu vas dans mon tête que Jésus. Mon tout est, mais tu sens que ce que tu as là, il faut pour à tes cartes à l'art, au moins que ouais, au tes cartes à un bon. Ça c'est fort. C'est bon, nous sommes dans ce qu'on a discernement, tu vois, c'est ça qu'on a fait comme bon. Mais ceux qui oyaient que non, je sers Dieu, tes chants sont inspirés. Tu as un peu de moins temps mouqué, ou bien aux yeux, tu as produit. Bon, ça veut dire que tu as au nom de Dieu. Il n'est pas dit que si tu as la musique est cartonnée, que tu es avec Dieu. On n'a pas dit ça. Ça peut cartonner, ça peut aller au coin populaire. Mais Jésus n'était pas populaire, hein. Pour Bakangaye, il fallait Judas à l'Axabango, Yehoi, Bomona, Boyebiete, Yehoi. Donc, il n'est pas dit que tout ce qui est populaire est avec Jésus. Tu peux être populaire en Nengenine, mais on en a un dans Zambete. Vous pensez que là, ceux qui font entre musées les musiques, bah, c'est la Kumba, c'est comme business, bah, des Libanda Masolo, Yesu Ebi Bangote. Je pense que si ton objectif est d'avoir l'argent, tu es à côté de la plaque. Ça peut être conscient ou inconscient. Au cours de la question, non, je sers Dieu consciemment. Mais dans ton subconscient, c'est l'argent qui te vise. Tu es à côté. Tu regrettes comme si on n'a pas acheté ton CD, tu regrettes. Si il y a un sentiment, il y a 4 CD dans la perte. Déjà, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque parce que quel est ton objectif? Si Dieu t'a donné un champ, il sait qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qu'il veut bénir par ton champ-là. Si nous avons bénir 2 personnes, pour Dieu, l'objectif est atteint. Un point, un trait. Yo, tu n'es qu'un instrument que Dieu utilise. Écris le chant que je te donne gratuitement. Publie-le avec les moyens que je t'ai donnés aussi. Arrête-toi là-bas. Regarde-moi à Dieu. Seigneur, j'ai fait mon travail. Toi, ouvre les écluses d'en haut à mon faveur. Yo, moi, ça, la saison, na yo. Conforcé, yete. Si quoi, yo, c'est au salé passé, c'est que 1 million. Parce que je me carre à 10. Au coup, l'église, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Tu vois? Donc, on a businessmen ou bien on a Moussali Nanzambe. Pour Moussali Nanzambe, il ne doit pas regretter. Si une seule personne seulement est bénie par ton chant, alors quand tu as l'eau, la prends dans Zembonayo, parce que quand une âme seulement, et quand tu as l'eau, la prends dans Zembonayo, et s'il y a,
des millions et tout ça, et ça n'a pas le moment au pamb. Dieu peut te bénir d'un côté, ouvrez les yeux, comme vous faites. Mais, ou bien, vous avez un business, men ou men. C'est difficile maintenant, docteur Benjamin. Je savais le docteur Benjamin ici en Afrique du Sud. Il prépare un grand événement. J'ai aimé sa réponse. Ceux qui osent pour l'oukaba, l'art, ça la combo, ça la business, la combo à Jésus et simbate, au regretté, et puis mouté, ben nous allons passer. Peter a confirmé, on y a un nouan. Aujourd'hui, on a ça l'album de façon que Zoula, on a qu'en Canada, on a qu'en États-Unis. Et si m'bate, on a qu'en peut-être n'a qu'on a danse. On a qu'en Mamoutouk, 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 on a qu'en Yesu, viens humblement, serre-le avec tout ce que tu y as, ton argent, ton intelligence, ton million, quoi, serre-le avec un cœur pur, sans arrière-pensée. Ceux qui ont perdre, gloire à Dieu. Ceux qui ont gagné, gloire à Dieu. Et si sans amertume, Yangonde, Dieu voit comment sincère tu es, il te bénira. Dieu ne reste jamais avec la dette d'un humain. Un humain, un mortel, jamais. Au chien bu, après tu as 5 buts. Sauf que ça a un peu avec Motema Moko, Zambé à côté Kayote. Mais docteur Benjamin, il y a une exception. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Pour le moment, vous avez un peu de temps. Vous avez pour le moment, carrière avez un peu parce que qui m'a dit que vous avez trop. Ce que côté pour nanine oyé bana ba pe ba chayo combo parce que soyé bana déjà mais côté ndouleman ce que zonga pe bana pe kaka kasi yango na objectif yango na on est abiso nyoso na ba journaliste na biso na ba ba ka biso na ba ba sala ba ndembo. Il faut savoir pourquoi tu viens, parce que venir dans le sacerdoce c'est pour une seule chose: élever les noms de celui qui était, qui est et qui vient. Donc, élever les noms de Jésus-Christ. Tu peux l'élever en écrivant un livre, tu peux l'élever en chantant, en dansant ou à prêcher. Moi, mon don, c'est écrire le chant et le chanter. En écrivant mon chant et chanter, je n'élève que Jésus-Christ. Un point, un trait. Au lieu de dire, bon, c'est Péliopé, ça t'est béni. Donc, mon objectif ici, c'est d'élever Jésus-Christ. Tu sais, un jour, je ne serai plus de médecin. Un jour, les églises seront fermées. Un jour, les Bibles seront fermées. Un jour, tout s'arrêtera. Olinga, olingate, tout s'arrêtera. Dans les prochains 50 ans, moi et toi, on ne sera pas vivants. On sera où? Quand je chante, moi, j'investis dans ma vie éternelle. Je me dis, Seigneur, même si je suis bise comment en travaillant, mais je trouve un temps pour élever ton nom. Donc, j'investis là-bas pour qu'un jour, je sois enlevé ou que je vois Jésus-Christ et qu'avec, ensemble avec mes frères et sœurs. Donc, ici, quand moi, je chante, c'est pour louer Dieu et l'élever et l'adorer. Nazwa, Nazwate, tu sais, on fait un concert à Artscape. Cette salle-là coûte 50 000 rentes. 50 000 rentes, mais il faut payer les musiciens. Il faut louer les équipements. Il faut louer les gens qui vont filmer. Il faut louer. Il faut faire tout ça. Alors, Dieu a permis qu'on fasse cela. Mais nous avons d'autres des choses à faire à la maison qu'on n'a pas fait. On dit, on met d'abord dans l'œuvre de Dieu. C'est fini. Ce que tu as dit, deux rentes après ça, on dit, ok, Seigneur, c'est que toi, tu as permis. Donc, si les abattes, c'est pour un abisso. C'est ça bien. C'est pourquoi Dieu a permis que Owanande aya. Aya. Donc, ton dîme, on dit, Abraham l'a fait avec Isaac. Donc, si les païens peuvent aller dans un bar ou bien dans un hôtel ou à dépenser, on a dit aux gens de boire gratuitement. C'est un païen qui fait des folies pour la moukile. Moi aussi, je fais des folies pour mon Dieu. Ils seront là ensemble avec le frère Neville Makanono, le frère Benjamin Kalala que je suis avec. D'ailleurs, c'est lui qui est l'initiateur, le fondateur, n'est-ce pas, le président de Baraka Gospel Music. Artscape. Comme vous avez dit, il a lancé l'appel. C'est samedi 7 juillet 2019. C'est un dimanche. Un dimanche 7 juillet 2019 à partir de 16h. L'heure là est respectée. Papa Kalala. Et là, monsieur Bomarabi, sur le Congolais, on a toujours Bayaga, on a un concert, on a Bissoba Congolais pour les Kamba. Et on a 16h, on a Yesun Kolo Bobagnon à 18h. Yesun Kolo, 1-2. Et puis, on a Matana 16 à 19h. Posons que ce soit 23h. Ça ne va pas. Donc, ceux qui ont eu 19h, conseil ici, c'est Lilango. Il y a Protozo Banda, Artcape, Omoni,
ce que vous avez prêté, bango moko ba bandi wana biloko moko boye na tana yo. Donc 16h moto libosso royim ba bandi. Donc 16h 17h 19h concert monsieur ici 19h. Toujours banda penza 16h jusqu'au comme katé on a 16h30 au 17h ba congolais, oza ba congolais té. Eza ba chrétien. Le chrétien respecte l'heure. Le chrétien, il est sérieux. Le chrétien, il est un exemple, un leader dans la société. Donc, 16h, yaka kota. Billet, kendena, ampute ticket. Pick and pay, ShopRite. Shop wana, boke, kakona, yaka 100 rand. 100 rand, yaka contribution pour Tobengi, Batobeli à Congo. Toloué Salouana, yaka contribution au Montouaro, pour Pesa, pour que. Attends, Pesa contribution na été. Conseil aura lieu. Mais Pesa kaka, pour nako. On a que basan la police na bango. Ce que le but était, c'est un concert gratuit, bah doublé prix à salle. Ils pensent qu'on a un sponsor. Et en gros, quand tu tiens plus loin, il y a 80, ils ont aussi battu les prix les plus petits au Tchawa, ils ont 100 rand. Et en gros, tu tiens 100 rand. Ils ont contribution pour que bango va taxer sur le chouette. Donc, c'est un ticket na yo. Ce que vous avez ticket na yo, je vais obéir au en hôpital Nangaï, à consulter yo 50% off. Consultation. Voilà après concert. Même avant concert, au coin d'un autre, il y a une consultation. Au coin d'un autre, 50% off la consultation. Mais Boya et Bélé, Boya et Bélé, Boya et Bélé, ils allient le 7 juillet, c'est un dimanche, de Koutanouana, à Hat Cape, dans la ville de Cape Town. Place, on a la photo de Mandela Mounine, il y a une photo de Smo Toutou. Place, on a. Boyoana, donc, vous allez dessus. Voilà, vous allez de suite. Grand merci à vous, docteur Benjamin Kalala, pour votre temps. Je crois que c'est clair, mais Mouta, j'ai l'occasion que n'a compris que t'as quoi que y a personne bien adore, n'importe. Ya, au coup de faire n'importe, bien n'importe, parce qu'on n'importe, toi, on est au sein, parce que toi, c'est mon bon, on a quand même ta ticket. Pourquoi nous ne sommes pas faire comme les autres, ok, car on a quand même ta ticket, toi, on a aussi un ticket. Mais, ce que vous en avez, on n'importe, et la possibilité, on vous a fait ticket. Voilà, merci beaucoup. Grand merci à Peter qui était derrière la caméra. Merci encore une fois à vous, docteur Benjamin Kalala. Et nous lançons l'appel à tous les enfants de Dieu, à tous les amoureux de la musique chrétienne. Bozangate, un dimanche le 7 juillet 2019. Awanakati, à Hatkep, Hatkep, et Zanakati, juste dans la town. Sobetka Hatkep, na Google, na main pour Monango, et à place au Bungate. Référence Ezali, City of Cape Town Building. Donc, ce comique Awana, c'est pas loin. Procurez bien dans la computer ticket. Thème y a concert Ezali Docteur Jésus, n'est-ce pas? Toroya ko louer, praising him like never before. Toroya ko bina ma bina pona kolo na Yesu, mais c'est toko sanjolé toko kumisé parce qu'il y a nda bongi na lokomo. Il est médecin, mais azo reconnaître que Jésus-Christ c'est le grand médecin par excellence. Bango ba diem bela na sima médecine naé. Comprendre en quoi? Ba diem na sima médecine naé. Sans rien juste pour la contribution, et puis il y aura sortie officielle, il y a CD, comme on l'a dit, à Kaboli 15 chansons, à Bombele 15, comme volume 1, et le reste, à Boko Zango, à Mikolo et Zali Koya. Grand merci à vous, merci à Chris Vangadio pour son assistance, merci à Bananza Mbenyon, Sobo Zangate, Pasteur Nyon, Sobo Zangate, invité, homme de Dieu, tout, Bozana Katiaville à Cape Town, vous êtes invité à grande célébration, aux grandes célébrations, où il y a Docteur Jésus, Boyakoué Bassou davantage. Docteur, merci pour votre temps. Oui, parce que BTF, il y a Kitaro Benenga, il y a Kitaro Benenga, il y a Kitaro Benenga, il y a Kitaro Benenga. Mais pour la Koyimba, il y a un problème, tu sais. Grâce à l'instrument, c'est ma voix. Ma voix, gaga. Voilà, avant que batterie n'ange si là, na tikela salamo akapela ma route. Maman Francine Ngembe de la Belgique, merci. Na mbela ki non moyembi médecin et puis en même temps moyembi. Torozana frère na biso Neville Kanono, une bénédiction, je vous dis na katia Congo azo cartonné jusqu'à la preuve du contraire. Torata qui année passée, cette fois-ci azoya vraiment, n'est-ce pas Pita? Neville azoya. A ningisa ki mobe na katia amen tabernacle kuna na Afrique na Jobu. Et pas pasteur Namso Zakola, pasteur Zakola, je vous salue aussi. Alors le lobe ba na Captain Nyonso, bande ko Nyonso boza bien invité, bien invité, bien invité. Ta personne invitation est simple boya. Moi kapela ça avant toka bon. YouTube c'est Congo Dialogue, Facebook c'est Joseph Bolois. Que Dieu vous bénisse. Digno et l'agneau de recevoir force, richesse. Honneur, louange, sagesse.
puissance, autorité, force, gloire, puissance et autorité pour le siècle de siècle. Gloire à l'agneau de Dieu. Et